Chers collègues, merci de prendre place. Je vais ouvrir la séance dans quelques instants, dès que vous serez tous installés. Monsieur le ministre d'État, mesdames, messieurs les conseillers de gouvernement ministres, chers collègues, chers compatriotes, chers résidents, chers amis de la Principauté, présents dans cet hémicycle ou qui nous suivez sur notre page Facebook ou sur le site internet du Conseil national ou bien à la télévision sur Monaco Info, bonsoir à toutes et à tous. La séance est donc ouverte. En liminaire, il me revient d'excuser l'absence de M. Jean Castellini, conseiller de gouvernement ministre des Finances et de l'Économie, ainsi que celle de nos collègues Béatrice Fresco-Rolfo, José Badia, Jacques Ritt et Guillaume Rose. Ce soir, pour la première fois, notre ancien collègue Christophe Robineau ne siège plus dans l'hémicycle, mais sur le banc du gouvernement, en tant que nouveau conseiller de gouvernement, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Ce n'est pas sans émotion que je lui souhaite, au nom de l'ensemble des élus, la bienvenue au Conseil national dans ses nouvelles et importantes fonctions. Monsieur le conseiller de gouvernement, ministre, je forme le vœu que toute la réussite possible vous accompagne dans les missions qui sont désormais les vôtres, au sein de ce département qui tient une place particulière dans le cœur des Monégasques, et bien sûr dans le mien, comme vous pouvez l'imaginer. Le départ au gouvernement de notre ancien collègue a nécessité son remplacement à la présidence de la Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses de notre Assemblée, la CISAD. Ce sera donc aussi une première, ce soir, lorsque je m'adresserai à vous, Marc Mourou, en tant que nouveau président de la CISAD, tout comme d'ailleurs à Marine Grisoul, notre nouvelle présidente de la Commission de l'éducation, de la jeunesse et des sports. Mes plus chaleureuses félicitations à tous les deux. Enfin, nous nous réjouissons que cette séance puisse se dérouler en présence des personnes souhaitant assister aux séances publiques dans cet hémicycle. Toutefois, le port du masque, je vous le rappelle, reste obligatoire durant l'intégralité de ces séances. Le premier point de notre ordre du jour appelle, en vertu de l'article 104 du règlement intérieur du Conseil national, l'annonce du dépôt d'un seul projet de loi qui est arrivé donc au Conseil national depuis notre dernière séance publique, c'était le 5 avril dernier. Le texte donc déposé sur notre bureau est le projet de loi numéro 1057, prononçant la désaffectation sur l'esplanade des pêcheurs, quai Régnier Ier, grand amiral de France, et une partie du quai Antoine Ier, d'une parcelle du terrain dépendant du domaine public de l'État. Ce texte est arrivé au Conseil national le 7 avril 2022. Je propose, compte tenu de son objet, de renvoyer formellement ce projet de loi devant la Commission des finances et de l'économie nationale. C'est celle qui, historiquement et traditionnellement dans notre Assemblée, étudie les projets de loi de désaffectation. Est-ce qu'il y a des avis contraires à ce renvoi ? Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Ce projet de loi est donc renvoyé devant cette commission. Chers collègues, le deuxième point de notre ordre du jour appelle la discussion de trois projets de loi ce soir. Trois projets de loi. Je vous rappelle, s'agissant du vote, que sont uniquement pris en compte les votes des conseillers nationaux, des conseillères nationales présents dans l'hémicycle, donc au moment du vote. Je me réfère à l'article 114 du règlement intérieur de notre Assemblée pour vous rappeler qu'il ne sera donné lecture que des dispositions générales de l'exposé des motifs des projets de loi discutés ce soir. Et s'agissant du rapport afférent au projet de loi 1029, seule la partie générale sera lue, sachant que les articles amendés seront lus par le secrétaire général au moment du vote, article par article. Vous le savez, les projets de loi 1055 et 1056 n'ayant pas été amendé par la Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses, mesdames les rapporteurs procéderont à la lecture du rapport donc dans l'intégralité, bien sûr, dans leur intégralité.
Je précise que, comme habituellement, l'intégralité de l'exposé des motifs et du rapport des textes discutés sera publiée au Journal de Monaco dans le cadre du compte-rendu in extenso des séances publiques. Enfin, et toujours en application de l'article 114 du règlement intérieur, il me revient de vous indiquer que si un seul d'entre vous souhaite demander la lecture de tout ou partie de la partie spéciale du rapport, donc ça sera sur le projet 1029, il lui appartient alors, bien sûr, il lui appartiendra de le faire au moment où chaque rapporteur entamera la lecture du rapport établi au nom de la commission qu'il préside. Je vais donc, sans plus attendre, demander à Monsieur le secrétaire général de bien vouloir donner lecture des dispositions générales de l'exposé des motifs du premier texte inscrit ce soir donc à notre ordre du jour de cette séance publique. Il s'agit du projet de loi numéro 1029 relative à la promotion et la protection des droits des femmes par la modification et l'abrogation des dispositions obsolètes et inégalitaires. Nous vous écoutons, Monsieur le secrétaire général. Merci, Monsieur le Président. La principauté de Monaco accorde une importance particulière au respect des libertés et droits fondamentaux, comme le veut la Constitution monégasque. La protection du droit des femmes s'inscrit directement dans cette lignée. À ce titre, elle est une composante essentielle des politiques publiques. Tels sont les mots de Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain Albert II en introduction de son premier rapport d'activité annuel du Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes au mois de novembre 2019. Ce comité a été créé par ordonnance souveraine numéro 7.178 du 25 octobre 2018. Institué auprès du ministre d'État, placé sous la présidence du conseiller de gouvernement ministre des Relations extérieures et de la coopération, est animé par Madame la déléguée interministérielle pour la promotion et la protection des droits des femmes. Le dit comité a pour mission d'assurer la coordination, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques et mesures nationales prises afin de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que de prévenir et combattre toute forme de violence et de discrimination à leur égard. Ceci avec une ambition fondatrice, celle d'améliorer la mise en œuvre des politiques publiques relatives à la protection des droits des femmes et de répondre aux recommandations des conventions internationales auxquelles Monaco prend part, qu'il s'agisse des conventions du Conseil de l'Europe dédiées à la prévention et à la lutte contre la violence à l'égard des femmes et à la violence domestique ou encore à la lutte contre la traite des êtres humains, ou qu'il s'agisse des conventions de l'ONU, notamment comme celle consacrée à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Or, si la création du Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes a pris place dans le prolongement des engagements internationaux de Monaco, c'est précisément dans ce même référentiel que le présent projet de loi prend sa source, et particulièrement dans le cadre des travaux du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et du processus de suivi, placé sous ses auspices, de l'examen périodique universel. En effet, suite à l'examen de Monaco le 12 novembre 2018 et à l'adoption par le Conseil des droits de l'homme lors de sa 40e session au début de l'année 2019 du rapport contenant le résultat final de l'examen de la principauté, il était demandé aux autorités monégasques de continuer de mettre en œuvre des politiques visant à la réalisation de l'égalité des sexes pleine et effective, notamment en modifiant ou en abrogeant les dispositifs obsolètes dans les lois qui sont discriminatoires à l'égard des femmes. Cette préconisation était par la suite rappelée dans un courrier du 29 avril 2019 adressé au gouvernement princier par Mme Michelle Bachelet-Géria, au commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Telle est l'origine des travaux ayant ainsi conduit le gouvernement princier à l'appréhension de la promotion et la protection des droits des femmes par la modification et l'abrogation des dispositions obsolètes et inégalitaires. Quelques précautions d'ordre méthodologique devaient cependant être posées d'emblée. En effet, pour autant qu'elles fussent établies comme objectif, l'identification, la modification et l'abrogation des dispositions juridiques obsolètes nécessitaient, à titre de préalable nécessaire, de délimiter le périmètre de cette notion polymorphe d'obsolescence. Le gouvernement princier a donc entendu procéder d'une définition classique en vertu de laquelle est caractérisée comme disposition juridique obsolète celle qui n'est plus en usage, tombée en désuétude, et apparaissant de ce fait comme de plus en plus fragilisée quant à sa force obligatoire du fait de sa non-application prolongée.
À l'appui de la définition ainsi retenue, il convenait par conséquent de recenser les dispositions qui, malgré les évolutions successives du droit en matière de promotion et de protection des droits des femmes, ou malgré les évolutions successives de notre société dans son ensemble et en ces mêmes domaines, n'ont pas pris la juste et pleine mesure de ces évolutions et demeurent toujours présentes dans notre corpus juris. L'appréhension des textes obsolètes conduit donc à purger le paysage juridique de dispositions qui, applicables hier, ne le sont plus aujourd'hui, ou encore, et pour reprendre les mots d'un auteur, de dispositions dont l'esprit s'est évaporé, mais dont la lettre perdure, comme gravée de manière indélébile dans le marbre. Dans cette perspective, et dès la toute première réunion du Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes, au mois de mars 2019, le gouvernement princier a donc entrepris une étude exhaustive portant sur la totalité des articles du Code civil, du Code de procédure civile, du Code de procédure pénale, du Code pénal, du Code de commerce, ainsi que sur l'ensemble des textes non codifiés. L'analyse ainsi menée a permis de relever que les textes recensés et analysés paraissent fondamentalement s'articuler autour de plusieurs grandes catégories procédant de motifs récurrents d'obsolescence. Par symétrie, le projet de loi est donc tout à la fois œuvre d'actualisation des références normatives, œuvre d'actualisation lexicale et œuvre d'actualisation scientifique ou technique. Un premier motif de désuétude strictement normatif et que l'on pourrait qualifier d'obsolescence de référentiel juridique vient du fait que nombre de textes n'ont pas tenu compte des modifications successives du droit monégasque et reflètent en effet l'état antérieur du droit dans diverses matières. Leur désuétude juridique résulte ainsi du fait que ces dispositions n'ont pas été abrogées ni modifiées, et ce malgré des réformes législatives impliquant qu'elles le fussent. Demeurent ainsi certaines dispositions correspondantes, par exemple à l'ancien dispositif applicable en matière de régimes matrimoniaux ou encore à l'ancien régime dotal, qu'il s'agisse par ailleurs de dispositions codifiées ou non codifiées. De manière générale, le droit interne comporte encore nombre de références ou renvoie à des dispositifs ayant été abrogés ou substantiellement modifiés. En toute hypothèse, l'appréhension de ces textes conduit à envisager de faire œuvre d'actualisation des références normatives. Un deuxième motif de désuétude, plus lexical et pouvant être qualifié d'obsolescence de référentiel sémantique, est lié au fait que plusieurs formulations ou termes renvoient en effet, en raison de la terminologie employée, à l'état antérieur de la société monégasque, procédant de conceptions aujourd'hui dépassées au regard de ses évolutions sociétales, et ce, dans diverses matières. Cette désuétude sémantique résulte du fait que ces énoncés n'ont pas été réécrits, malgré des évolutions sociétales justifiant qu'elles le soient. Tel est le cas de l'ensemble des termes historiquement fondés sur le caractère artificiel et culturellement construit des rôles sociaux d'hommes et de femmes. À certains égards, cette obsolescence sémantique se traduit par des énoncés renvoyant à une conception androcentrée, avec l'homme comme seule référence, du milieu professionnel, certains termes suggérant ainsi que l'exercice de certaines fonctions ou missions ne pourrait être réservé qu'à un homme. À d'autres reprises, cette désuétude terminologique prend encore à travers des formulations renvoyant à une conception patriarcale de la famille dans laquelle l'époux ou le père se voit seul investi du pouvoir de gestion des intérêts de la famille et de décision en son sein, la femme étant considérée comme les incapables sous régime de protection. En toute occurrence, afin de tenir compte de l'évolution des usages de la société et des habitudes sociales, le recensement des dispositions obsolètes du point de vue sémantique a donc conduit à faire œuvre d'actualisation lexicale, à faire le choix d'énoncés ou adverbes plus neutres, qui ne véhiculent plus aucun stéréotype fondé sur le sexe et, de manière plus large, à neutraliser ou bilatéraliser certains énoncés sexués. Sont ainsi concernées par cette réécriture les formulations usuelles telles que, par exemple, la gestion en bon père de famille. Enfin, dans un troisième temps, et en sus des dispositions désuètes précédemment identifiées, l'analyse menée a conduit à mettre en exergue une troisième catégorie de dispositions teintées d'obsolescence que l'on pourrait qualifier de scientifiques ou techniques. Celles-ci, défavorables aux femmes, s'inscrivent directement dans le sillage des dispositifs strictement obsolètes, dès lors que, à leur instar, elles contreviennent à certaines évolutions sociales
et ce, à ceci près que cette méconnaissance inclut en l'espèce, et plus particulièrement, la non-prise en compte de certaines avancées scientifiques spécialement considérées à travers le prisme des droits des femmes. Tel est par exemple le cas du délai de viduité, ou encore, dans une moindre mesure, des formules traduisant en matière d'ouverture des successions et de la saisine des héritiers, ce que l'on désigne sous le terme de présomption de survie, déterminée par le sexe. En toute hypothèse, l'appréhension de ces textes conduit à envisager de faire œuvre à leur égard d'actualisation scientifique ou technique. Qu'elle se caractérise par une obsolescence de certains référentiels juridiques ou une obsolescence des référentiels sémantiques ou encore, par extension, par une forme d'obsolescence technique constitutive in fine de dispositions inégalitaires, l'ensemble de ces dispositions recensées et les évolutions qu'elles requièrent ont donc abouti à plusieurs modifications impactant les dispositions codifiées et non codifiées du droit monégasque. L'on soulignera en toute hypothèse que l'élaboration de ce texte sous l'impulsion de Madame la déléguée interministérielle pour la promotion et la protection des droits des femmes et dans le cadre du comité pour la promotion et la protection des droits des femmes a donné lieu à la consultation de l'ensemble des acteurs gouvernementaux appelés à siéger en son sein, en sus desquels notamment Monsieur le secrétaire d'État à la justice, directeur des services judiciaires et Madame le haut-commissaire à la protection des droits, des libertés et à la médiation. Au final, le projet comporte 56 articles regroupés au sein de 7 chapitres. Chapitre 1er, des dispositions du Code civil. Chapitre 2, des dispositions du Code de procédure civile. Chapitre 3, des dispositions du Code de procédure pénale. Chapitre 4, des dispositions du Code de commerce. Chapitre 5, des dispositions législatives non codifiées. Chapitre 6, des dispositions diverses et transitoires. Chapitre 7, des dispositions abrogatoires. Tel est l'objet du présent projet de loi. Je vous remercie pour cette lecture, Monsieur le Secrétaire Général. Donc, avant de donner la parole à Madame Brigitte Bocconne-Pagès, notre vice-présidente, pour la lecture de la partie générale du rapport qu'elle a établi au nom de la Commission des droits de la femme et de la famille, il m'appartient, donc en application de l'article 114 du règlement intérieur, de vous demander maintenant, donc, si un seul élu souhaite qu'il soit donné lecture de toute ou partie de la partie spéciale de ce rapport. S'il n'y a pas de demande, et il n'y en a pas, nous vous écoutons pour la lecture de la partie générale de votre rapport, Madame la vice-présidente. Monsieur le Président, je vous remercie. Donc, rapport sur le projet de loi numéro 1029, relative à la promotion et la protection des droits des femmes, par la modification et l'abrogation des dispositions obsolètes et inégalitaires. Le projet de loi relative à la promotion et la protection des droits des femmes par la modification et l'abrogation des dispositions obsolètes et inégalitaires a été déposé au secrétariat général du Conseil national le 23 février 2021 et enregistré par celui-ci sous le numéro 1029. L'annonce officielle de son dépôt est intervenue lors de la séance publique du 1er avril 2021, au cours de laquelle il a été renvoyé devant la Commission des droits de la femme et de la famille. S'inscrivant dans le droit fil des mesures destinées à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et à protéger les droits des femmes, le présent projet de loi traduit une préconisation contenue dans le rapport du Conseil des droits de l'homme, issu de l'examen périodique universel de la Principauté, du 12 novembre 2018, dans lequel il était demandé aux autorités monégasques de, je cite, « continuer de mettre en œuvre des politiques visant à la réalisation de l'égalité des sexes, pleine et effective, notamment en modifiant ou en abrogeant les dispositions obsolètes dans les lois qui sont discriminatoires à l'égard des femmes ». Fin de citation. Élaboré dans le cadre du Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes, ce projet de loi a donc pour objet, comme indiqué liminairement, de modifier et d'abroger des dispositions obsolètes ou inégalitaires à l'égard des femmes, recensées dans l'ensemble des codes et dispositions non codifiées du droit monégasque. Pour ce faire, le projet de loi entend ainsi opérer, d'une part, une actualisation de diverses références normatives résultant des évolutions successives du droit, à l'instar de la suppression de dispositions relatives à l'ancien régime dotal ou régissant la capacité de la femme mariée. Et d'autre part,
une adaptation des référentiels sémantiques conduisant notamment à neutraliser ou à bilatéraliser certains énoncés sexués fondés sur des conceptions aujourd'hui dépassées en raison des évolutions sociétales. Tel est le cas, par exemple, de la proposition du gouvernement de supprimer le standard juridique de « bon père de famille » remplacé par l'expression de « personne raisonnable ». On précisera à cet égard que cette substitution terminologique est inspirée de la réforme française, issue de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Les élus n'ont pas manqué de constater la transversalité et l'exhaustivité du projet de loi transmis à l'Assemblée, composé de 56 articles répartis en 7 chapitres et modifiant plus de 70 dispositions contenues dans les codes et textes législatifs non codifiés auxquels ils ont apporté peu de modifications. Ils ne pouvaient qu'accueillir favorablement l'objectif poursuivi par ce texte qui, en rétablissant l'égalité des sexes dans les textes législatifs désuets, s'inscrit dans le prolongement du travail législatif et de l'engagement permanent de l'Assemblée visant à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et à lutter contre la violence et la discrimination fondée sur le sexe. En effet, qu'il s'agisse de la lutte contre les violences et les agressions sexuelles, de la mixité professionnelle, de la marche vers l'égalité salariale, du statut de chef de foyer ou encore des congés maternité et paternité, le Conseil national œuvre avec détermination pour apporter des évolutions législatives concrètes et contribuer à l'évolution des mentalités dont ce texte constitue une étape supplémentaire. Au-delà de l'objectif de réduction des inégalités entre les femmes et les hommes, ce texte participe également au processus de modernisation de notre droit en ce qu'il propose l'actualisation ou l'abrogation de certaines dispositions tombées en désuétude. En effet, comme l'écrivait Montesquieu en 1748, les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. Et c'est notamment le cas lorsque les dispositions législatives sont dépourvues d'effet juridique ou ne trouvent plus à s'appliquer concrètement en raison d'une obsolescence de droit ou de fait pouvant nuire à la clarté et à l'intelligibilité des lois. Peuvent être envisagés deux types de textes obsolescents. Les premiers, qui ne font qu'alourdir notre corpus juridique, mais n'ont aucune conséquence dans notre quotidien, concernent tous les sujets liés au mode de vie, à la technologie, aux méthodes de travail ou à des circonstances historiques qui n'ont plus aucun écho dans la vie réelle contemporaine. Les seconds, ceux qui nous intéressent aujourd'hui, sont plus préoccupants car ils traitent avec des mots et parfois la pensée d'hier des sujets parfaitement d'actualité. C'est pour cela que, d'une manière générale, votre rapporteur souhaite souligner l'importance de dépoussiérer progressivement notre corpus juridique de toute disposition inapplicable ou obsolète. La démarche n'est pas propre à Monaco. Le Sénat français a d'ailleurs installé une commission balai pour bureau d'abrogation des lois anciennes et inutiles. Dans ce cadre, les élus de notre Assemblée ont pu relever que des réformes de notre droit restent attendues dans de nombreux domaines, tels que le droit des faillites, les accidents du travail ou encore les mesures d'exécution forcée. S'agissant désormais de l'étude à proprement parler du texte, les discussions ont essentiellement porté sur le remplacement du concept de « bon père de famille » qui, s'il s'apparente à un simple changement sémantique, constitue en réalité une évolution de paradigme dont les élus ont souhaité vérifier les éventuelles incidences dans l'application des textes. En effet, chaque terme utilisé dans le droit est porteur de sens et a des conséquences sur notre système juridique. D'ailleurs, on notera que la notion de bon père de famille s'apprécie différemment selon la disposition y faisant référence. Historiquement, l'expression « bonus pater familias » apparaît dans plusieurs textes classiques du droit romain, et notamment le Digeste et les Institutes de Justinien, qui faisaient référence à un modèle de conduite, celui du bon citoyen. Cette expression a ensuite été consacrée par le Code civil de 1804, en attribuant à l'homme, père de famille, la qualité d'un bon gestionnaire de patrimoine. Si cette notion était basée à l'époque romaine sur une conception patriarcale de la famille, il convient toutefois de souligner qu'aujourd'hui, elle a évidemment changé de signification pour s'appliquer indifféremment à un homme ou à une femme,
tout en étant également détachée de la notion de filiation. En effet, cette notion a évolué au fil du temps et continue de s'adapter en fonction de l'évolution de la société. Ainsi, en pratique, le bon père de famille est un standard juridique prenant comme critère un individu abstrait, considéré comme la norme comportementale en fonction de laquelle se mesure le comportement d'une personne donnée pour déterminer l'existence ou la mesure d'une éventuelle faute. Selon la jurisprudence traditionnelle, le bon père de famille est donc celui qui agit dans le cadre de la conservation, l'administration ou la jouissance du bien d'autrui de façon prudente, diligente, avisée, en étant soucieuse des biens ou des intérêts qui lui sont confiés, comme s'il s'agissait des siens propres. On remarquera donc que toutes ces qualités ne se retrouvent pas dans la seule action ou gestion raisonnable. Dans la mesure où la nature abstraite et objective d'une notion cadre a vocation à permettre au juge de l'adapter pour chaque cas d'espèce, les membres de la commission ont souhaité s'assurer que les modifications opérées par cette future loi évolueront de manière efficiente dans le temps, sans crainte de dénaturation. Dans cette perspective, relevant que l'élaboration de ce texte a donné lieu à la consultation d'un certain nombre d'acteurs institutionnels, parmi lesquels Monsieur le secrétaire d'État à la Justice, directeur des services judiciaires, les élus ont fait part au gouvernement de leur souhait de pouvoir disposer de l'avis de la commission de mise à jour des codes sur les conséquences pratiques que pourrait engendrer la suppression du concept de bon père de famille, afin d'être éclairé d'une expertise en la matière. L'analyse de cette commission, qui est parvenue à l'Assemblée le 24 novembre 2021, a été étudiée avec attention par les élus. Ainsi, la commission de mise à jour des codes a relevé que le bon père de famille est une notion traditionnellement utilisée dans le code civil dans deux domaines d'application distincts. D'une part, en droit des biens stricto sensu à travers le concept de destination du père de famille et d'autre part en gestion ou usage des biens d'autrui pour identifier un comportement prudent et diligent ou pour caractériser la faute de celui qui a causé un dommage à autrui à l'occasion de la gestion ou de l'usage du bien. Soulignant que ce concept illustre le besoin des systèmes juridiques de disposer de termes génériques permettant au juge de disposer de la souplesse nécessaire à l'évolution de la société, cette commission a considéré qu'il était délicat de le réduire au seul adverbe « raisonnablement » sans risquer d'en altérer la signification et de compromettre l'ordre juridique. Elle a donc recommandé, à ce titre, de maintenir cette notion en matière de droit des biens et de gestion des biens et de ne la remplacer que lorsque cette substitution ne conduit pas à une perte de sens juridique, essentiellement dans le cadre de l'usage des biens. Convaincu par l'analyse de la commission de mise à jour des codes, les élus ont accueilli favorablement les suggestions proposées, ce qui a conduit à amender le dispositif ainsi que cela sera explicité dans la seconde partie du rapport. Enfin, outre l'amendement précédemment cité relatif au bon père de famille, votre rapporteur indiquera que les autres modifications proposées, plus techniques, concernent essentiellement les dispositions relatives à l'hypothèque légale des époux, mentionnées aux articles 19 à 23 du projet de loi, ainsi que la suppression des références au sein du Code de procédure pénale au délit d'adultère abrogé par la loi numéro 1478 du 12 novembre 2019, portant modification de certaines dispositions relatives aux peines. Sous le bénéfice de ces observations, votre rapporteur vous invite désormais à adopter le projet de loi tel qu'amendé par la Commission des droits de la femme et de la famille. Je vous remercie. Merci à vous, Madame la rapporteure, pour votre excellent rapport précis et complet. Et nous allons à présent nous tourner vers Monsieur le ministre d'État pour qu'il nous fasse part de la réaction du gouvernement à ce rapport de la Commission des droits de la femme et de la famille. Nous vous écoutons, Monsieur le ministre d'État. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les conseillers nationaux, je souhaiterais tout d'abord remercier Madame Brigitte Bocconne-Pagès pour la qualité de son rapport qui a été établi au nom de la Commission des droits de la femme et de la famille sur le projet de loi numéro 1029
relative à la promotion et la protection des droits des femmes par la modification et l'abrogation des dispositions obsolètes et inégalitaires. L'exposé des motifs et le rapport de la Commission des droits de la femme et de la famille ont parfaitement explicité l'objet et les principaux axes du présent projet de loi. Celui-ci présente un spectre particulièrement large et transversal. Aussi ne reviendrai-je pas sur ces détails et spécificités, sauf à relever que le gouvernement a accueilli favorablement l'ensemble des amendements formulés. Mon propos se voudra donc plus général. Dans le cadre des diverses réunions plénières du Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes, il a souvent pu être dit et répété que l'édifice du droit des femmes prenait assise sur un chantier toujours vivant et qu'il était important à la fois de consolider ce qui a pu être bâti et d'en poursuivre la construction. C'est dans cet esprit qu'il me tient à cœur de remettre en perspective l'apport du texte soumis ce soir à votre Assemblée en l'inscrivant directement dans le prolongement des avancées législatives de premier ordre qu'a déjà connu la principauté au cours de l'année 2021 en matière de promotion et de protection des droits des femmes. On ne peut ainsi que garder à l'esprit l'importance considérable qu'ont constitué la loi numéro 1517 du 23 décembre 2021 portant réforme des dispositions relatives à l'incrimination des agressions sexuelles. Avec ce texte, Monaco s'est dotée d'une loi qui, par la réforme pénale d'ampleur qu'elle a portée, a traduit une avancée essentielle dans la protection des droits des femmes. De la même manière, on ne peut que garder à l'esprit la portée plus que significative de la loi numéro 1513 du 3 décembre 2021 relative à la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire. Avec cette loi, le droit de la principauté s'est doté d'un texte certes très large, général et structurant, mais n'oublions pas que ce texte a aussi permis d'améliorer la répression d'infractions commises dans le cyberespace et dont il est avéré, chiffres à l'appui, qu'elles ciblent et atteignent principalement les filles, je dirais même les jeunes filles. Les apports ainsi constitués en matière de protection des droits des femmes ont chacun constitué des étapes importantes. Et c'est précisément à ces réformes d'ampleur que vient se surajouter le texte soumis ce soir à votre Assemblée. Un texte dont il m'importe de rappeler qu'il est l'aboutissement d'un travail particulièrement exhaustif, vous l'avez relevé, Madame la rapporteure, confié et entrepris par la direction des affaires juridiques dès la toute première réunion plénière du Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes au mois de mars 2019. Ce travail législatif de modernisation de grande ampleur porte sur l'ensemble du droit monégasque. C'est un travail qui également est par la suite et sous l'impulsion de Madame la déléguée interministérielle pour la promotion et la protection des droits des femmes a donné lieu à la consultation de l'ensemble des acteurs gouvernementaux appelés à siéger au sein du comité. Cela démontre ainsi à nouveau que la promotion et la protection des droits des femmes est de la responsabilité de chacun d'entre nous. Cet engagement est bien évidemment à considérer à une échelle nationale, mais il est tout aussi capital de le replacer dans sa dimension internationale, étant rappelé que le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes est placé sous la présidence de Madame le conseiller de gouvernement, ministre des Relations extérieures et de la coopération. Ce texte prend sa source dans les engagements internationaux de Monaco, et plus particulièrement dans le cadre des travaux du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Cela a été dit. Mais il m'importe de signaler qu'au cours de l'année 2021 était organisé le forum Génération Égalité à l'initiative de ONU Femmes, dont je rappelle qu'il s'agit de l'entité des Nations Unies consacrée à l'égalité des sexes
et à l'autonomisation des femmes. Dans le cadre de ce forum était lancée une initiative sans précédent, le plan mondial d'accélération pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce plan invite, d'ici 2026, les États, les organisations internationales, le secteur privé et la société civile, notamment à lutter contre la violence sexiste et sexuelle, à favoriser l'autonomisation économique des femmes, à favoriser leur participation à la vie publique et à la prise de décision, et renforcer les cadres juridiques et politiques. Les ambitions sont multiples, et elles requièrent l'engagement de toutes et tous. Tel est le constat ainsi fait, celui d'une mobilisation internationale qui s'intensifie, celui d'une mobilisation internationale qui d'ores et déjà a un écho dans les principautés. Cet écho, l'ensemble des textes législatifs précédemment évoqués y contribue assurément. Et c'est tout l'ensemble des textes législatifs passés comme à venir qui participent de cette ambition collective et partagée. Et ceci, quelle que soit l'ampleur ou la portée des textes considérés, aucun n'étant jamais de moindre importance. Cela a été dit aussi bien dans l'exposé des motifs que dans vos propos, Madame la rapporteure. Le projet de loi soumis ce soir au Conseil national est notamment, mais pas seulement, une œuvre d'actualisation lexicale ou sémantique, destinée à corriger des formulations ou des termes aujourd'hui dépassés. Il serait trop facile de penser que faire la chasse aux vestiges normatifs et aux fossiles législatifs est d'une portée de second plan. Il serait trop facile de penser que débusquer, pour reprendre les termes de l'exposé des motifs, les archaïsmes de langage dont la lettre a survécu à l'esprit n'est au fond qu'une affaire de vocabulaire, qu'une affaire de mots. Mais dans un domaine comme celui des droits des femmes, dans un domaine où il est si souvent des mots qui blessent, qui divisent, qui stigmatisent ou qui érigent des murs, il en est aussi qui peuvent unifier, qui rapprochent et qui bâtissent des ponts, car les mots ont un sens. Nietzsche écrivait à la fin du XIXe siècle « Chaque mot est un préjugé ». Pour ma part, j'aime mettre ces termes en résonance avec ce qu'écrivait Simone de Beauvoir. On pensera peut-être que cette conquête est mineure, on aura tort, car nommer, c'est dévoiler, et dévoiler, c'est déjà agir. S'il s'agit là d'une ambition, puissions-nous continuer à avancer avec cet idéal à l'esprit pour continuer d'édifier, aujourd'hui comme demain, les droits des femmes. Tel est l'objectif que contribue à atteindre le présent projet de loi et au sujet duquel le gouvernement princier se félicite que le processus législatif puisse aboutir ce soir. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur le ministre d'État, pour cette très intéressante intervention. Oui. Une certaine portée philosophique et de belles citations également. Nous allons à présent donc ouvrir la discussion sur ce projet de loi et je vais donc me tourner vers l'ensemble de mes collègues qui souhaitent intervenir sur ce projet de loi. J'ai déjà vu se lever la main du président de la commission de législation. Nous écoutons donc Monsieur Thomas Brézeau. Je vous remercie Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Mesdames, Messieurs les conseillers du gouvernement ministres, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Une brève intervention pour justifier mon vote sur ce projet de loi dans la mesure où je m'abstiendrai dans son ensemble et que je voterai même contre certains articles qui le composent. En effet, nous avons failli assister ce soir à la mise à la retraite d'office d'un vieux bonhomme qui a pourtant fait ses preuves pendant plusieurs siècles et que ce texte voulait sacrifier au nom d'une prétendue inégalité sur laquelle je reviendrai par ailleurs. Il s'agit du bon père de famille. Le pater familias pour les intimes ou les romains qui ont créé cette notion juridique il y a plus de 2000 ans. Le projet de loi qui nous a été soumis par le gouvernement prévoyait en effet de remplacer simplement cette notion de droit par l'adverbe « raisonnablement ». Une telle solution n'est pas concevable à mon sens. En effet, le bon père de famille est une conception juridique universelle qui existe depuis des siècles, qui est enseignée dans toutes les facultés de droit et qui est connue de tous les juristes. On la définit comme le comportement qu'aurait un individu abstrait, non genré,
dans une situation donnée pour mesurer l'adéquation de la conduite d'un individu concret placé dans cette même situation afin de déterminer l'existence ou la mesure d'une faute éventuelle. Cette notion a été développée par la jurisprudence. Elle a évolué au fil du temps et à mesure de l'évolution de la société, et elle sera encore amenée à évoluer dans les années à venir. Elle désigne à la fois, et selon le cas, une personne prudente, diligente, attentive, soucieuse des biens ou des intérêts qui lui sont confiés. Et réduire toutes ces qualités au seul adverbe raisonnablement aurait été une erreur. C'est d'ailleurs en ce sens que s'est prononcée la commission de mise à jour des codes qui a été interrogée sur ce sujet, et c'est la raison essentielle de mon abstention sur ce texte. Pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, mon vote n'a aucunement vocation à faire obstacle à l'évolution du droit des femmes, bien au contraire. Mes collègues pourront besoin en témoigner. J'avais proposé de remplacer l'expression du bon père de famille par le bon parent de famille ou même la bonne mère de famille, dans la mesure où je suis, et tous ceux qui me connaissent le savent pertinemment, très attaché à l'égalité entre les femmes et les hommes, bien que cette solution n'ait pas été retenue par la Commission. Pour ce qui concerne le reste du texte, je ne reviendrai pas au cas par cas sur les observations que j'ai pu formuler en commission. Toutefois, je relève que l'objectif poursuivi par ce projet de loi est, comme son titre l'indique, d'abroger des dispositions qui seraient obsolètes d'une part et inégalitaires d'autre part. Pour autant, j'estime que l'objectif affiché n'a pas été atteint et que ce projet de loi aurait mérité d'aller encore plus loin. Je considère en effet que si on veut renforcer l'égalité entre les hommes et les femmes, on ne peut pas uniquement se contenter de supprimer les termes qui font référence au patriarcat, mais une réflexion plus importante doit être menée. Si une simple étude étymologique était suffisante pour renforcer l'égalité entre les deux sexes, il suffirait alors de supprimer les écoles maternelles ou le service de maternité à l'hôpital en ce qu'ils font directement référence au rôle prédominant de la mère et constituent une discrimination envers les pères. Un tel raisonnement est bien évidemment absurde et ce n'est clairement pas ma volonté d'aller dans ce sens. Ce ne sont là que des exemples qui démontrent qu'on ne peut pas résumer la notion d'égalité entre les hommes et les femmes à une seule étude étymologique. Il en est de même s'agissant des dispositions obsolètes. Là encore, ce projet de loi se contente de dépoussiérer quelques dispositions désuètes sans pour autant effectuer ce travail en profondeur. J'en veux pour preuve la référence au gouverneur général qui demeure dans un certain nombre de textes anciens et qui a pourtant été remplacé par le ministre d'État dès 1911, soit il y a plus de 110 ans. Là encore, ce projet de loi aurait mérité à mon sens une réflexion plus poussée et dans l'intervalle, notre priorité aurait pu être accordée à d'autres textes ainsi que cela a très justement été relevé par notre rapporteur. Mon vote de ce soir s'inscrit dans le principe de la sécurité juridique qui doit prédominer dans un état de droit. Encore une fois, il ne s'agit nullement pour moi de faire échec à l'évolution du droit des femmes que j'ai toujours soutenu, que je soutiens et que je continuerai toujours à soutenir dans le futur. Je vous remercie. Merci, Monsieur Brézeau. Dans le cadre de la discussion, s'est levée la main de la présidente de la commission de l'éducation, de la jeunesse et des sports, Marine Grisoul, et je vois à l'instant de la présidente de la commission des droits des femmes et de la famille, Nathalie Amorati-Blanc. Donc, est-ce que vous souhaitez avoir la priorité sur un thème qui relève de cette commission, Madame Amorati ou... Non, alors on écoute Madame Grisoul, puis Madame Amorati-Blanc. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les conseillers ministres, Monsieur le Président, chers collègues, je saisis l'opportunité du vote de ce projet de loi qui s'inscrit dans la lignée des mesures destinées à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes pour rappeler, comme le fait souvent la présidente de la Commission des droits de la femme et de la famille, ma collègue Nathalie Amorati-Blanc, que la protection des droits des femmes ne passe pas qu'à travers la révision des mots, mais aussi par l'éducation. En effet, les inégalités entre les hommes et les femmes sont les conséquences d'une société empreinte de stéréotypes et de préjugés qui conduisent parfois à attribuer à chacun des sexes un rôle social différent, voire même hiérarchisé. C'est bien au stade de l'éducation des enfants que la lutte contre les stéréotypes de genre aura de réels effets sur les adultes qui seront demain. Ainsi, c'est en leur inculquant des valeurs d'égalité et sans faire de distinction entre les genres que la société de demain sera différente. Dans cette optique, nous encourageons bien sûr le gouvernement à poursuivre son action de sensibilisation dans les établissements scolaires auprès des jeunes sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Je voulais également profiter de mon intervention pour souligner l'importance de certaines associations, comme Chicanican par exemple, qui permettent, grâce à leurs actions, une sensibilisation durant toute l'année. Par leurs événements, elles participent à la lutte contre les préjugés et les stéréotypes. C'est bien dès le plus jeune âge que se construisent la personnalité des futurs adultes.
Et bien évidemment, je voterai en faveur de ce projet de loi. Je vous remercie. Merci à vous, Madame Grisoul. Donc la parole est à présent à la présidente de la Commission des droits de la femme et de la famille, Nathalie Amorati-Blanc. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les conseillers du gouvernement ministre, chers collègues. Alors tout d'abord, je tiens à féliciter notre vice-présidente, Brigitte Bocon-Pagès, pour la qualité et l'excellence de son rapport. Vous le savez, depuis le début de cette mandature, les élus du Conseil national ont toujours pris à bras le corps le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes. L'objectif principal est bien sûr de faire évoluer les mentalités. Cela passe par l'éducation, la sensibilisation, la pédagogie depuis le plus jeune âge. À notre place en tant qu'élus, nous œuvrons avec détermination pour moderniser et faire évoluer notre législation en conformité avec les évolutions de la société. En matière de droits des femmes, il y a beaucoup à faire encore. Le Conseil national, depuis le début de la mandature, a beaucoup œuvré en ce sens et les avancées sont nombreuses. Je rappelle tout d'abord le vote du projet de loi relatif à l'allongement du congé maternité en 2019, le vote du projet de loi relatif à la dépénalisation de l'avortement pour la femme enceinte en 2019 également, et le vote du projet de loi portant réforme des dispositions relatives à l'incrimination des agressions sexuelles en 2021. Ou encore la résolution du Conseil national adoptée en 2020 visant à promouvoir la représentation des femmes au sein des conseils d'administration et entités publiques, associatives et privées, dépendant directement ou indirectement de l'État. Le projet de loi que nous nous apprêtons à voter ce soir poursuit le même objectif, veiller à la promotion et la protection des droits des femmes. Cette dynamique du Conseil national, voulue dès le début de leur mandature, s'est d'ailleurs rapidement traduite par notre souhait de la création d'un poste de délégué interministériel pour le droit des femmes. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour remercier Mme Céline Cotalorda pour son initiative sur ce texte et le travail quotidien qu'elle effectue en matière d'égalité femmes-hommes. J'ai bien conscience que l'impact du vote de ce projet de loi s'inscrit d'avant une étape nécessaire et primordiale pour tendre à terme vers une égalité parfaite entre les femmes et les hommes. Je vous remercie. Merci, Madame Amorati-Blanc. La parole est à présent au président de la Commission du logement, Monsieur Franck Lobono. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le ministre d'État, Mesdames, Messieurs les conseillers de gouvernement, chers amis, chers collègues. Je voudrais m'adresser à mes chers collègues conseillères nationales ce soir, et c'est d'abord à vous que je souhaiterais parler, de façon plus générale, à toutes les femmes. Je tiens à vous faire part de mes réflexions masculines, tant ce texte mérite que l'on s'y arrête quelques minutes, au-delà de ce qui pourrait être considéré comme une anecdote, de savoir, par exemple, si l'expression « bon père de famille » est le symbole d'une société phallocrate, voire même misogyne. Alors, je dois vous dire qu'à la première lecture de ce texte, ma première réaction d'homme a été un petit sourire ironique, avec le sentiment que peut-être nous perdions un peu notre temps et que ce dépoussiérage juridique n'était que symbolique. Mais à y regarder de plus près, on réalise mieux d'où vient notre société et sans doute le chemin qu'il reste à parcourir pour mettre en adéquation nos pensées, nos actes, nos textes et nos usages en matière d'égalité homme-femme. Avec un esprit cartésien et sensible dont je me revendique, il me paraît assez invraisemblable et inacceptable que les femmes qui m'entourent au quotidien aient encore besoin de justifier leur place, leurs compétences, bien plus qu'un homme. Heureusement, il me semble que les nouvelles générations sont très éloignées de tout cela, car elles reconnaissent la valeur intrinsèque d'une personne avant de se préoccuper de son sexe. L'espoir est bel et bien dans les nouvelles générations, et ce texte, ce soir, leur apportera des outils plus en phase avec leur juste façon de penser et d'agir. En 1983, François Giroud déclarait que la femme serait vraiment l'égale de l'homme. Le 204 du Code pénal était toutefois matériellement inexact. Ces dispositions sont en effet spécifiquement consacrées à l'usurpation de titres et énonce que sera puni de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26, quiconque, sans droit et en vue de s'attirer une certaine considération, aura publiquement pris un titre, changé, altéré ou modifié le nom que lui assignent les actes d'état civil.
Or, force est de relever que l'usurpation de diplôme est régie par les dispositions du second alinéa de l'article 203 du Code pénal, en vertu duquel sera puni de l'emprisonnement de 3 mois à 1 an et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement. Celui qui, sans remplir les conditions exigées, aura fait usage ou se sera réclamé d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont l'octroi relève d'une autorité publique. C'est du reste à ces dispositions répressives qu'il est fait renvoi dans d'autres textes, par exemple pour ce qui relève de l'exercice de la pharmacie, de la sanction pénale de la personne qui se qualifierait indûment de préparateur en pharmacie, se conférait à l'article 91 de la loi numéro 1029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie. L'article 55 de la loi numéro 1434 du 8 novembre 2016, modifié, précité, devait par conséquent être modifié, rectifié et modifié à l'effet de faire référence, non à l'article 204 du Code pénal, mais à l'article 203 du dit Code. D'un point de vue technique, s'agissant d'apporter une modification substantielle au dispositif voté en 2007, cette rectification est apparue comme excédant assurément ce que permettait la régularisation par voie d'erratum. En effet, non seulement il est question de dispositions de nature pénale, mais la portée même de la procédure d'erratum conduirait à conférer à ces dispositions un caractère rétroactif, ce qui ne saurait être envisageable, a fortiori près de 6 ans après le vote de la loi, s'agissant d'une sanction pénale plus forte. Il convenait par conséquent procéder à la modification de l'article 55 susmationné par le truchement d'un projet de loi spécialement dédié. Tel est l'objet du présent projet de loi. Merci pour cette lecture, Monsieur le Secrétaire Général. Je vais donc, sans plus attendre, donner la parole à Madame Michèle Ditlot pour la lecture du rapport qu'elle a établi au nom de la Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Si vous me permettez, je quitte momentanément le masque. Rapport sur le projet de loi numéro 1055 portant modification de l'article 55 de la loi numéro 1434 du 8 novembre 2016 relative à l'art dentaire modifié. Le projet de loi portant modification de l'article 55 de la loi numéro 1434 du 8 novembre 2016 relative à l'art dentaire modifié a été déposé au secrétariat général du Conseil national le 15 février 2022 et enregistré par celui-ci sous le numéro 1055. L'annonce officielle de son dépôt est intervenue lors de la séance publique du 5 avril 2022, au cours de laquelle il a été renvoyé devant la Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses. Composé d'un article unique, ce texte a pour objet de rectifier une erreur de renvoi à des dispositions répressives figurant à l'article 55 de la loi numéro 1434 du 8 novembre 2016 relative à l'art dentaire modifié afin de faire référence non à l'article numéro 204 excusez-moi du Code pénal mais à l'article numéro 203 du dit Code, sanctionnant le délit d'usurpation de diplôme et de titre. On rappellera que la loi numéro 1434 du 8 novembre 2016 relative à l'art dentaire a permis de doter la profession de chirurgien-dentiste d'un corpus de règles modernes et de reconnaître pleinement sa spécificité. Cette loi avait déjà fait l'objet de modifications en 2019 afin, d'une part, d'ajuster la composition du bureau de l'ordre des chirurgiens-dentistes pour le compléter d'un vice-président et d'un secrétaire général et, d'autre part, de préciser les modalités en cas d'empêchement et de vacance d'un siège de membre du Conseil de l'ordre. Ce soir, le présent projet de loi vient non pas compléter, mais effectuer une modification substantielle du dispositif voté en 2016 en matière répressive. En effet, comme l'indique l'exposé des motifs qui vient de nous être lu, si l'intention des rédacteurs de cette loi était d'appréhender pénalement l'usurpation de diplômes,
La référence faite à l'article 204 du Code pénal était toutefois, malheureusement, matériellement inexacte. Dans la mesure où le nouveau renvoi opéré par le présent projet de loi à l'article 203 du Code pénal conduit à prévoir une sanction pénale plus forte, il convenait par conséquent de procéder à la modification de l'article 55 de la loi numéro 1434 par le biais d'un projet de loi spécifiquement dédié. Aussi, les membres de la Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses n'ont formulé aucun amendement sur l'article unique du projet de loi. Sous le bénéfice de ces observations, votre rapporteur vous invite désormais à adopter sans réserve et en l'état le présent projet de loi. Je vous remercie pour votre rapport, Madame la rapporteure, Madame Michèle Ditlot. Nous nous tournons, je crois, Monsieur le ministre d'État, vers Monsieur le conseiller de gouvernement, ministre des Affaires sociales et de la Santé, pour écouter la réaction du gouvernement suite à la lecture de ce rapport. Nous écoutons Monsieur Robineau. Bien, merci, Monsieur le Président. Avant toute chose, je souhaite remercier sincèrement la rapporteure du projet de loi, Madame Michèle Ditlot, pour son rapport précis. Comme cela vient d'être exposé, ce texte tend à rectifier une erreur matérielle qui s'était glissée à l'article 55 de la loi 1434 du 8 novembre 2016 relative à l'art dentaire, une référence inexacte faite à l'article 204 du Code pénal au lieu de l'article 203 de ce même Code. Or, il est important que les juges puissent rendre la justice en sachant pouvoir s'appuyer sur une loi fiable et juste. Ce soir, suite à la rectification de cette erreur matérielle, ce sera chose faite et je vous en remercie. Merci, Monsieur Robineau. Est-ce que certains collègues souhaitent s'exprimer dans le cadre de la discussion de ce projet de loi ? Oui, Madame la rapporteure, puis Monsieur le Président de la Commission des intérêts sociaux. Nous écoutons donc Madame Ditlot. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste faire un petit peu de pédagogie non ésotérique. Avant modification de cette loi 1434, son article 55 renvoyait à l'article 204 du Code pénal, qui, d'une part, cerne seulement une usurpation d'identité et, d'autre part, prévoit une amende de 1 à 2 250 euros. À présent, le projet de loi que nous allons voter entend corriger cette erreur de renvoi à l'article 204, en faisant désormais référence non plus à cet article 204, mais à l'article 203 du Code pénal qui, lui, d'une part, sanctionne le délit d'usurpation d'un titre et de diplôme attaché à une profession légalement réglementée, celle de dentiste, et d'autre part, prévoit une peine beaucoup plus lourde pour un tel délit, à savoir un emprisonnement de 3 mois à 1 an, et ou une amende de 2 250 euros à 9 000 euros. La peine étant plus lourde, monsieur le conseiller, elle a vocation à être plus dissuasive. Jean-Étienne Marie Portalis, grand juriste français du XVIIIe siècle, connu pour avoir été le principal rédacteur du Code civil, disait dans son discours préliminaire sur le projet de ce Code, « Il est impossible au législateur de pourvoir à tout. Cette réflexion reflète bien la nécessité de devoir parfois ajuster un texte de loi. C'est ce que nous allons effectuer ce soir. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame la rapporteure. Nous écoutons le président de la Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses, Monsieur Marc Mourou. Merci, Monsieur le Président. Je tiens également à remercier et à féliciter Michèle Ditlot, rapporteur de ce texte de loi, qui est donc une modification de la loi précédente 2019, mais également en référence à celle de 2016, et donc également tout le crédit à Monsieur Christophe Robineau, qui était le rapporteur de ce texte de loi à l'époque, et tous les mérites doivent leur être rendus ce soir à Michèle Ditlot et à Christophe Robineau. C'est un texte court, article unique, mais qui est très important. Pourquoi ? Parce que ce sont, on l'a dit, des dispositions donc répressives par rapport à l'usurpation des diplômes et des titres. Et c'est également un texte qui fait référence à l'ajustement de l'ordre, du bureau de l'ordre, et qui sera pour le prochain texte, nous le verrons pour les sages-femmes également, en relation à une parfaite transition. Je vous remercie. Merci, Monsieur Mourou.
S'il n'y a plus d'intervention, je crois qu'il n'y en a plus, je vais inviter donc Monsieur le Secrétaire Général à donner lecture de l'article unique, un seul article donc pour ce projet de loi. Merci Monsieur le Président. Article unique. À l'article 55 de la loi numéro 1434 du 8 novembre 2016 relative à l'art dentaire modifié, les mots article 204 sont remplacés par les mots article 203. Je vais donc mettre cet article unique aux voix. Qui est d'avis de voter en faveur de ce projet de loi ? L'ensemble des conseillères nationales et des conseillers nationaux présents votent en faveur de ce projet de loi. Donc, par conséquent, l'article unique et la loi sont adoptés. Nous passons à présent à l'examen du dernier texte inscrit ce soir à notre ordre du jour. Il s'agit du projet de loi 1056, modifiant certaines dispositions relatives à la profession de sage-femme, prévu par l'ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste. Monsieur le secrétaire général, donc merci de bien vouloir nous donner lecture de l'exposé des motifs. Merci, Monsieur le Président. L'ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste a été récemment modifiée par la loi numéro 1473 du 2 juillet 2019 afin de prendre en considération la transformation de la profession de sage-femme qui est en cours dans le pays voisin depuis plusieurs années et qui s'effectue notamment par l'acquisition de nouvelles compétences. Ainsi, l'article 6 de cette ordonnance, qui définit le domaine de compétence des sages-femmes en fixant limitativement la liste des actes qu'elles peuvent pratiquer, a été modifié par la dite loi de façon à rapprocher ce domaine de celui défini par la législation française dans le respect, naturellement, des spécificités monégasques. Le présent projet de loi poursuit ce même objectif en élargissant le périmètre des compétences des sages-femmes pour leur permettre de vacciner les personnes de l'entourage de l'enfant ou de la femme pendant sa grossesse et les 8 semaines qui suivent l'accouchement. De même, le projet de loi permet aux sages-femmes de prescrire aux femmes, mais également aux partenaires de ces dernières, le dépistage d'infections sexuellement transmissibles ainsi que les traitements de ces infections. Tel est l'objet du présent projet de loi. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Je vais immédiatement donc donner la parole à Madame Marie-Noëlle Gibelli, rapporteure de ce texte, pour la lecture du rapport qu'elle a établi au nom de la Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses. Nous vous écoutons, Madame Gibelli. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les conseillers de gouvernement ministres, chers collègues, chers amis. Rapport sur le projet de loi numéro 1056, modifiant certaines dispositions relatives à la profession de sage-femme, prévu par l'ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste. Le projet de loi modifiant certaines dispositions relatives à la profession de sage-femme, prévu par l'ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, a été déposé au secrétariat général du Conseil national le 15 février 2022 et enregistré par celui-ci sous le numéro 1056. L'annonce officielle de son dépôt est prévue lors de la séance publique du 5 avril 2022, au cours de laquelle il a été renvoyé devant la Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses. L'exercice de la profession de sage-femme est encadré par l'article 6 de l'ordonnance du 29 mai 1894 précité, qui définit les actes que peuvent pratiquer les sages-femmes. Auparavant limitée aux accouchements physiologiques, c'est-à-dire non pathologiques, aux vaccinations antivarioliques et à la prescription de certains examens et médicaments listés par arrêté ministériel, leur périmètre de compétence a été substantiellement enrichi par la loi numéro 1473 du 2 juillet 2019, modifiant certaines dispositions relatives à la profession de sage-femme afin que celui-ci corresponde sous réserve des spécificités monégasques aux standards du pays voisin où a été formée la grande majorité des sages-femmes autorisées à exercer en principauté. Ainsi, l'article 6 de l'ordonnance du 29 mai 1894 susmentionné permet aujourd'hui à ces professionnels de santé d'assurer auprès des femmes des consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention, de pratiquer tous les actes nécessaires au diagnostic et à la surveillance de la grossesse, ainsi qu'à la pratique de l'accouchement et des soins postnataux en ce qui concerne la mère et l'enfant, de prescrire et de pratiquer les vaccinations de la femme et du nouveau-né, dont la liste est fixée par arrêté ministériel,
de prescrire des substituts nicotiniques à l'entourage de la femme enceinte ou de l'enfant jusqu'au terme de la période postnatale, ainsi qu'aux personnes qui assurent la garde de ce dernier, et enfin de réaliser l'examen postnatal. Poursuivant le même objectif de mise en cohérence avec le cadre normatif français, dans le respect des spécificités monégasques, le présent projet de loi entend prendre en considération l'évolution de la profession de sage-femme en apportant diverses modifications à la législation en vigueur. Ainsi, tout d'abord, le texte élargit les habilitations de vaccination des sages-femmes en les ouvrant aux personnes de l'entourage de l'enfant ou de la femme, à la fois pendant sa grossesse, mais aussi dans les 8 semaines qui suivent l'accouchement. On notera que la liste des personnes comprises dans l'entourage a été plus clairement définie par le projet de loi qui reprend les éléments constitutifs de celles figurant dans les dispositions actuellement en vigueur pour la prescription des substituts nicotiniques à l'entourage. Considérant que l'extension de la couverture vaccinale est un enjeu de santé publique important, la Commission a approuvé cette nouvelle habilitation en matière de vaccination. Ensuite, ce texte entend permettre aux sages-femmes de prescrire aux femmes et à leurs partenaires le dépistage d'infections sexuellement transmissibles, ainsi que leur traitement. Cette prise en charge conjointe, qui renforce l'action des sages-femmes en matière de gynécologie, favorise ainsi la prévention de ces infections et facilite leur traitement. Votre rapporteur soulignera que cette même compétence est également prévue en France et que son extension aux partenaires est issue d'une loi du 26 avril 2021. Cette nouvelle prérogative, qui s'inscrit dans une démarche de cohérence avec le droit français et dans la continuité des actions de prévention mises en œuvre en principauté, a donc convaincu les membres de la Commission. Autre mesure envisagée, qui se distingue cette fois-ci du droit français, la possibilité de prescrire des substituts nicotiniques à l'entourage ne se limiterait plus désormais à la seule période de grossesse, mais serait allongée aux 8 semaines qui suivent l'accouchement, à l'instar de la période prévue en matière de vaccination. Cette extension étant cohérente avec la politique globale de la lutte contre le tabagisme, la Commission a accueilli favorablement la disposition projetée qu'elle considère pertinente en termes de santé publique. Enfin, sur la forme, le projet de loi propose une restructuration des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance-loi de manière à rendre plus accessible la liste des actes que les sages-femmes peuvent pratiquer, ce que les élus ne pouvaient également qu'approuver. Compte tenu de l'objet de ce texte, la Commission a souhaité recueillir l'avis du Conseil de l'Ordre des médecins de Monaco sur le dispositif envisagé. En effet, on soulignera que la profession de sage-femme bénéficie d'un statut spécifique, propre aux particularités monégasques, en ce qu'elle ne dispose pas d'un ordre professionnel spécifique, mais dépend de l'Ordre des médecins. À ce sujet, votre rapporteur souhaite rappeler que lors de l'étude du projet de loi numéro 982 ayant abouti au vote de la loi 1473 du 2 juillet 2019 précitée, le Conseil de l'Ordre des médecins avait relevé qu'au regard de l'autonomie de prescription et d'examen que ce texte conférait à cette profession, les sages-femmes pourraient difficilement continuer à dépendre de l'Ordre des médecins. Pour remédier à cette situation, il avait donc préconisé la création d'un ordre des sages-femmes distinct de l'ordre des médecins, ainsi qu'un code de déontologie propre à cette profession. Pleinement convaincue par cette solution, la Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses avait alors appelé de ses voeux la création d'un ordre professionnel des sages-femmes, en relevant qu'il n'existait pas d'obstacle juridique à une telle consécration, mais qu'il s'agissait avant tout d'un choix d'opportunité. Le gouvernement ayant fait savoir qu'il n'était pas favorable à la création d'un tel ordre, au regard de la faible démographie de cette profession en principauté, le Conseil national avait alors envisagé de déposer une proposition de loi en ce sens, considérant que le nombre de sages-femmes exerçant actuellement en principauté à titre libéral et salarié justifiait la création d'une instance ordinale. Malheureusement, le contexte de crise sanitaire liée à la COVID-19 n'a pas permis aux élus de poursuivre l'élaboration de cette proposition de loi.
S'agissant du présent texte, le président du Conseil de l'Ordre des médecins a réitéré la position qui avait été exprimée par l'Ordre en faveur de la création d'un ordre des sages-femmes et d'un code de déontologie propre à cette profession. Aussi, les travaux se poursuivront prochainement en commission en ce sens. Sous le bénéfice de ces observations, votre rapporteur vous invite désormais à adopter sans réserve et en l'état le présent projet de loi. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Madame la rapporteure, donc pour votre rapport au nom de la Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses. Nous allons à présent écouter le gouvernement. Je crois que c'est bien sûr Monsieur le conseiller de gouvernement, ministre des Affaires sociales et de la Santé, qui va nous faire connaître la position du gouvernement. Monsieur le Président, je vous remercie. Avant toute chose, je souhaite remercier chaleureusement la rapporteure du projet de loi, Madame Marie-Noëlle Gibelli-Poulain, pour son rapport exhaustif. De par votre ancien métier de sage-femme au centre hospitalier Princesse Grâce, je vous sais très attentive à l'évolution en principauté de cette belle profession. Ce projet de loi s'inscrit dans la démarche de refonte des textes en matière sanitaire entamée par le gouvernement depuis plusieurs années avec la loi numéro 1434 du 8 novembre 2016 relative à l'art dentaire, complétée en 2019, puis par le vote récent par le Conseil national de la loi numéro 1518 du 23 décembre 2021, venu réformer l'ensemble des dispositions sur l'exercice de la pharmacie. Je vais à présent m'attacher à apporter quelques précisions supplémentaires concernant le projet de loi à l'étude ce soir. Ce projet étant une nouvelle fois le domaine de compétences des sages-femmes, dont le processus avait déjà été amorcé avec la loi 1473, votée le 2 juillet 2019. Celui-ci est ainsi élargi pour leur permettre d'assurer un suivi global et continu de la santé de l'entourage de leurs patientes, notamment leurs partenaires. Ce texte répond ainsi à un triple objectif de santé publique en matière de prévention, tant concernant la vaccination que les addictions ou encore la santé sexuelle. Dans ce cadre, le gouvernement s'est naturellement attaché à consulter les instances de santé concernées, bien entendu le Comité national de la vaccination, auquel d'ailleurs une représentante des sages-femmes avait participé, mais également le Conseil de l'Ordre des médecins, les nouvelles compétences conférées aux sages-femmes étant jusque-là réservées exclusivement aux médecins. S'agissant des textes d'application, je tiens à vous indiquer que ceux-ci seront soumis préalablement à leur publication à l'avis du Comité de santé publique, dont la date d'une réunion sera fixée prochainement pour une publication dans les meilleurs délais. Revenons à présent sur les points soulignés dans le rapport qui ont fait l'objet de remarques de la part de la Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses. Vous avez rappelé, Madame la rapporteure, que lors de l'étude du projet de loi numéro 982, qui a abouti au vote de la loi 1473 du 2 juillet 2019 précédemment évoquée, le Conseil de l'Ordre des médecins avait relevé qu'au regard de l'autonomie de prescription et d'examen que ce texte conférait à cette profession, les sages-femmes pourraient difficilement continuer à dépendre de l'Ordre des médecins. Le gouvernement avait alors expliqué qu'au regard de la démographie de la profession de sage-femme à Monaco, une seule sage-femme exerce son activité en ville en libéral et 19 exercent au centre hospitalier Princesse Grâce, il était difficilement concevable d'instituer un ordre. Depuis cet échange entre nos deux institutions, la démographie de cette profession n'a pas changé et les arguments du gouvernement demeurent donc d'actualité. En effet, je vous rappelle que l'Ordre assure le respect du code de déontologie. Et dans le cadre de ses missions, des chambres de discipline de première instance et d'appel composées de membres de la profession concernée sont amenées à se réunir pour décider d'éventuelles sanctions qui seront prononcées à l'encontre de leurs consoeurs ou confrères, ce qui paraît inenvisageable en l'état de la profession. Le problème ne vient pas tant du nombre de sages-femmes, certes limité, mais de la configuration de cette profession. Je le répète, 19 sages-femmes sur 20 travaillent pour le même employeur dans le même service. Pour des raisons humaines évidentes, il paraît difficile de demander à une sage-femme de juger en toute objectivité le comportement professionnel d'une de ses collègues qu'elle fréquente au quotidien. Comment faire respecter dans ce contexte le principe d'impartialité exigé pour toute juridiction disciplinaire ? Pour autant, le gouvernement a été favorable à étudier positivement un meilleur encadrement des règles d'exercice de la profession de sage-femme et les a ainsi édictées dans le cadre d'une ordonnance souveraine signée le 14 novembre 2019 sous le numéro 7786.
Il est en outre signalé dans le rapport de la Commission que la profession de sage-femme bénéficie d'un statut particulier, propre aux particularités monégasques, en ce qu'elle ne dispose pas d'un ordre professionnel spécifique, mais dépend de l'ordre des médecins. Je tiens sur ce point à rappeler à nouveau que les sages-femmes n'ont jamais relevé d'aucun ordre, pas plus de celui des médecins. Il s'agit d'une confusion. Le Conseil de l'Ordre des médecins a souvent représenté, et c'est très bien, les professions de santé ne relevant pas d'une instance ordinale dans le cadre de leur relation avec les caisses sociales de Monaco. Pour autant, elles ne relèvent pas de la discipline du Conseil de l'Ordre des médecins et sont complètement indépendantes. Ceci étant, rien ne s'oppose à ce que la profession de sage-femme s'organise et crée une association à l'instar de la majorité des professions de santé et que cette entité devienne l'interlocuteur privilégié du gouvernement et de l'ensemble des institutions monégasques. Le département, pour ce qui le concerne, encourage les sages-femmes à aller en ce sens et s'engage à les accompagner dans cette démarche si elles décidaient de l'initier. Monsieur le Président, Madame la Rapporteure, Mesdames, Messieurs les élus, je vous remercie de votre attention. Merci à vous, Monsieur Robineau. Nous allons à présent donc ouvrir la discussion sur ce projet de loi. Tout d'abord, bien sûr, nous nous tournons vers Madame Marie-Noëlle Gibelli, la rapporteure du texte. Nous vous écoutons. Merci, Monsieur le Président. Je prends bonne note de votre position, Monsieur le Conseiller ministre des Affaires sociales et de la Santé, s'agissant de la création de l'Ordre des sages-femmes. Mais selon moi, reconnaître le métier de sage-femme, c'est aussi lui permettre d'avoir un ordre spécifique et un code de déontologie qui lui est propre, à l'instar des professions qui sont dans le titre de la loi, les médecins, les chirurgiens, les dentistes, les herboristes. Mais au-delà de ce point particulier, le projet de loi 1056 clarifie les compétences élargies des sages-femmes. Car si nous connaissons le rôle essentiel de celles-ci dans le suivi de la maternité et de l'accouchement, nous connaissons moins ce qu'elles apportent en dehors de cette période. En effet, les sages-femmes ont aussi un rôle primordial dans les politiques publiques, de prévention, d'éducation thérapeutique et dans le suivi gynécologique, ce que souligne ce texte. À ce sujet, je voudrais formuler la recommandation faite par la Confédération internationale des sages-femmes en janvier 2022. La continuité des soins sous la direction des sages-femmes doit être une priorité. Ceci dit, je me réjouis de l'aboutissement de ce texte qui va dans ce sens et celui de l'intérêt des femmes, des futures mères, des jeunes mamans, mais aussi des nouveau-nés et de leur entourage. Toutefois, au regard de l'élargissement des compétences de ces professionnels et de l'indice de naissance en augmentation, source IMCE, 2,5 enfants par couple, il serait intéressant d'évaluer les besoins réels en sage-femme afin de pouvoir proposer le suivi le plus efficace possible à l'ensemble des personnes concernées. Et enfin, pour conclure, je tiens particulièrement à saluer l'engagement dans le contexte de la COVID-19 des sages-femmes dans leur exercice, que ce soit à l'hôpital ou en libéral. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. Nous écoutons à présent le président de la Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais là aussi féliciter, bien évidemment, la rapporteure Marie-Noëlle Gibelli pour ce texte qui, je sais, lui tient à cœur en tant qu'ancienne sage-femme. Un texte, là aussi, à article unique, mais qui est très important puisqu'on l'a dit, ça élargit les compétences et les responsabilités des sages-femmes en termes de prescription de médicaments, de certaines vaccinations, également de substituts nicotiques ou bien également pour la pratique des soins post-nataux. Donc tout ça, ce sont évidemment de très bonnes choses. Ce sujet de l'ordre, on va évidemment peut-être amener à en discuter lors des prochains mois entre nos deux institutions. Je pense qu'il y a des vraies discussions engagées entre Conseil national et gouvernement, puisque c'est un sujet qui tient à cœur et nous avons entendu vos raisons, mais nous avons là une petite divergence qui, j'espère, dans les prochains mois, pourra se rapprocher de notre position. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Mourou. Y a-t-il d'autres interventions ? S'il n'y en a plus, je vais donc demander à Monsieur le Secrétaire général de donner la lecture de l'article unique de ce projet de loi. Merci, Monsieur le Président. Article unique. Les 2e, 3e, 4e et 5e alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste modifiés sont modifiés comme suit.
Les sages-femmes peuvent, à la condition d'adresser la femme à un médecin en cas de situation pathologique constatée, pratiquer l'examen postnatal, réaliser des consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention, prescrire et pratiquer la vaccination figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel de la femme, du nouveau-né, de l'entourage pendant la grossesse et la période de 8 semaines qui suit l'accouchement, prescrire les médicaments figurant sur la liste fixée par arrêté ministériel, les dispositifs médicaux figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel, les examens strictement nécessaires à l'exercice de leur profession, à la femme et aux partenaires de celle-ci, le dépistage d'infections sexuellement transmissibles et les traitements de ces infections figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel, des substituts nicotiniques à l'entourage pendant la grossesse et la période de 8 semaines qui suit l'accouchement. Au sens du présent article, l'entourage comprend toute personne vivant au domicile de la femme enceinte ou de l'enfant, fréquentant régulièrement le domicile de la femme enceinte ou de l'enfant, gardant régulièrement l'enfant au domicile de celui-ci. Nous allons donc mettre aux voix cet article unique. Dans la mesure où nous l'adoptons, ça veut dire que nous adopterons bien sûr automatiquement la loi. Donc, est-ce qu'il y a des avis contraires ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Ceux qui sont d'avis de voter en faveur de ce projet de loi, donc merci de bien vouloir lever la main. Cette loi est donc adoptée à l'unanimité des élus présents. Voilà, notre ordre du jour est épuisé. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs les conseillers du gouvernement ministre, chers collègues, mesdames, messieurs, chers compatriotes, chers résidents, chers amis de la principauté, nous sommes arrivés donc au terme de cette soirée. Mais je vous donne rendez-vous à tous, ainsi bien sûr qu'aux téléspectateurs, aux internautes, mercredi 1er juin prochain à 17h pour une nouvelle séance publique législative afin de débattre et de voter d'autres textes d'importance. Je vous remercie toutes et tous. La séance est levée. Monsieur le Président, je trouve quand même que on vote un texte qui supprime les dispositions obsolètes pour promouvoir le droit des femmes. On vote un texte qui a trait à la profession de sage-femme, alors qu'il y a des hommes qui pratiquent cette profession. Je trouve ça particulièrement C'est vrai qu'on est magnéticien, les magnéticiens. C'est vrai dans les textes. Donc en fait, c'est terrible. Le droit des hommes soit un peu défendu.